Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19, également valable sur les versions V9 à V18, sur les indemnités journalières. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à saisir les IGNET lorsque votre salarié ou vous-même vous recevez le décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale, mais qui sont nettes de CSG. Donc, en fait, là, vous pourrez les saisir et ensuite, vous lancerez une procédure pour que BP calcule lui-même les IJ bruts pour que le salarié ait toujours le même net à payer. Il y a deux rubriques sur EBP qui permettent donc de saisir les IJ nets et les IJ bruts, donc qu'on va intégrer dans le bulletin de paye, mais au préalable, il faut saisir deux variables, puisque en fait ces deux rubriques n'ont pas de variables par défaut. Première chose, c'est de créer dans les variables à saisir en fait une variable que l'on va appeler IJ net. Hein, donc là, je vais mettre IJ net à saisir et on va en créer une autre qu'on peut appeler IJ brut où en fait ça va permettre à EBP effectivement lorsqu'il va faire le calcul de mettre le montant du calcul qu'il obtient. Donc là j'enregistre. Maintenant effectivement il faut mettre ces deux variables dans les rubriques. Donc dans les rubriques de net, en fait, la rubrique elle s'appelle IJNet. Donc c'est celle-ci. Donc voilà. Ici, je vais mettre donc ma variable, voilà, IJNet. Et celle qui fait le brut, donc dans le rubrique de salaire brut, je vais dans les retenues, puisqu'elle sera négative. Et là, en fait, c'est celle-ci qui s'appelle RINDB. Où là, je vais mettre IJ brut. Voilà. Donc, une fois que j'ai mes rubriques qui sont bien créées, je vais aller dans le bulletin de paye du salarié. Voilà. Je vais intégrer en bas de bulletin ma rubrique d'IJNet. Voilà. Voilà. Donc là, elle est bien placée. Et ensuite, je vais chercher au niveau du brut ma rubrique voilà, de salaire brut qui sera là en retenue qui s'appelle RINDB. Voilà. Donc là, je vais bien la placer, donc je vais bien la déplacer. Voilà. Voilà. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est de bien noter le net à payer du salarié. Donc là, je vois qu'il a bien un net à payer de 2690,71 €. Maintenant, je vais donc saisir les IJNet. Donc là, en fait, je vais donc saisir vraiment les IJ que je reçois du décompte de la sécurité sociale. Donc, admettons, il a eu 200 euros d'IJNet. Voilà. Donc là, vous voyez que mon net à payer a augmenté de 200 euros. Et maintenant, en fait, on va lancer ce qu'on appelle une paye à l'envers. Voilà, où là, je vais renoter le montant que je veux obtenir, qui est de, vous voyez, 2690,71 €. Et je vais indiquer à EBP sur quelle rubrique, en fait, je veux qu'il m'indique le montant qu'il va obtenir pour obtenir 2690,71 €. Donc là, maintenant, je vais faire calculer. Ah oui, pardon. Il faut indiquer sur quelle variable, effectivement, il faut faire le calcul. Voilà, là je fais calculer. Donc là, je le laisse. Voilà, donc vous voyez, c'est très rapide. Donc lui, il obtient, mettons, une IJ brute de 243,06 pour avoir un net à payer de 2190,71 €. Donc maintenant, pour l'intégrer directement dans le bulletin de paye, je fais transférer. Voilà, et là maintenant je vérifie. Vous voyez qu'on va voir en haut de bulletin. Voilà, il m'a bien intégré l'IJ brut de 243,06 €. J'ai bien mes IJ net en bas
de 200 € et j'ai bien mon état payé de 2 690,71 €.